et YouTube. La suite de nos aventures sur Zelda Breath of the Wild. Nous nous sommes arrêtés après avoir fait cette tour. Je devais aller faire du troc chez les Aurores, chose que j'ai fait. Et donc maintenant nous allons aller à la fontaine de la grande fée pour payer. Alors j'ai pas tout claqué, j'ai juste vendu des diamants. J'ai vendu une vingtaine de diamants pour avoir les 10 000. Et tout ce qui est topaz et compagnie, tout ça j'ai gardé. Sait-on jamais, on en aura peut-être besoin plus tard. Mais j'en doute. Et au pire, bah, dès que j'ai besoin de pognon, eh bien, j'aurai plein de choses à vendre. Voilà. Et de toute façon, je crois qu'il va me rester plus de 1000 balles. Ouais, voilà, il va me rester 1700 balles. Donc, pas de problème. Allez, hop, 10 000, ça c'est fait. Hein. Allez, au maximum de leur résistance, yes, c'était donc la dernière. Ah, nous pouvons améliorer un peu les stuffs d'escalade. Et donc j'ai bel et bien besoin de Violet Tempo, sauf que c'est 15 par upgrade, je vais pas m'énerver. Ok. Eh bien nous allons upgrade le bandana que l'on porte souvent. Alors j'ai besoin de Violet Tempo, bordel. Bordel, bordel, bordel. Ah oui, donc voilà, voilà. Il me faut bel et bien des topazes et compagnie pour améliorer les stuffs élémentaires. Donc heureusement que je me suis pas trop enflammé. Putain, j'ai que... Ok. Bon ben ça déjà on peut le faire. Ce sera au max. On passe ça. Ah là là, mais heureusement que j'ai jamais vendu ça en fait. Ah t'as, je suis deg. J'aurais bien voulu upgrade un peu plus la tenue d'escalade. Donc ça, on peut l'upgrade à fond. Ça m'arrange. Et les ambres brutes, voilà. Donc c'est bien ce qu'il me semblait. Il fallait... Il fallait ce genre de ressources. Peut-être que les diamants, je vais en avoir besoin aussi. Malheureusement, là, je crois qu'il ne m'en reste plus que 12. Bon, alors la tenue anti-électricité. Ah ouais, 10 queues jaunes, ok. Aïe, aïe, aïe. Ça coûte cher, ça coûte cher. Ah ouais, des saphirs et tout. Oh là là. Alors attendez, je me pose une question. Et ouais, il me faut des ailes de glace que je n'ai pas. Et c'est bien dommage. Ouais, parce qu'en définitif, une fois que j'aurai fait ça... Ouais, je pourrais pas tout upgrade à fond. Il me manquera 6 queues bleues de Lesalphos. Bordel. Et la tenue de... Truite Silencio, d'accord, j'en ai jamais eu. Bon, de toute manière, on n'améliorera jamais tout. C'est impossible. Parce que sinon, ça va me demander un farm consécutif. Donc, on va s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire... Eh ben ça, on peut le faire, donc on va le faire.
Ça peut servir. Par contre, c'est long, les animations. Bah, la tenue Piaf, ce serait intéressant quand même. Sait-on jamais? Tenue Zora. Non, parce que de toute façon, j'ai déjà le bonus. Après, je sais pas si améliorer au maximum une tenue propose un bonus supplémentaire. Ah ouais, Violette Tempo et Aile de Feu. Donc, dans tous les cas, il me faudra moult Aile de Feu et Violette Tempo. Si je veux upgrade la tenue d'escalade à fond. Et les ailes de glace. Bordel. On l'aura jamais à fond. Spoiler. Eh ben, c'est bien. C'est bien, mais du coup, je pense qu'on est bon. Hein. On va pas faire plus. On va pas faire plus. Mais bon, si admettons, je me mets au maximum, bah, de toute façon, le bandana, il est à 20. Je pense que c'est le max qu'on peut avoir. Non, je pense qu'il y a, un haut qu'on peut avoir qui est plus pété que celui-là. Mais si admettons, je me mets au max, pour l'instant, j'en suis à 72 de def. En vrai, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. Ah, il y a tout qui a bougé. Au secours. Mais c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. Bon, du coup, ça, je peux l'enlever. Fontaine, ouais, c'est bon, elle est indiquée. Bon, de toute façon, voilà. On peut aller aux autres fontaines, ça ne pose aucun problème. On va partir de la tour. On va aller faire le sanctuaire qui se trouve ici. On a pingé un autre sanctuaire qui était ici. En vrai, on va finir d'explorer cette région-là. Je pense que dans cet épisode, on aura le temps. On a le labyrinthe, mais c'est un labyrinthe assez particulier parce que je crois qu'il y a plein de gardiens partout. Et on a l'étang du crâne. Et on a ça. Bon, on verra si on a le temps de tout faire. On va voir. Parce que là, si on a le temps de tout faire, ça veut dire que la prochaine fois, alors il y a deux options. C'est soit on fait la forêt qui se trouve au-dessus de la forêt des Korogus et c'est une forêt un peu spéciale où il y a un sanctuaire à la clé. Ou alors on va direct chez les Gorons pour gérer les bails des Gorons. Et ensuite, et bien écoutez, fin du jeu. On va choper l'épée et on va défoncer Ganon. Donc, fin de let's play qui va arriver vite. Mine de rien. Allez, où? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce relais ici. Donc peut-être des quêtes. Bon, il y a... Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Il y a des quêtes qu'évidemment, on ne fera jamais. Hein. Les quêtes des baleines et tout ça, bon, ça c'est... C'est bonus. Et mis à part un peu de thunes, ça va pas nous apporter grand chose. Donc peu importe. Ouais, sanctuaire d'abord. Bon, on aura sûrement loupé une bonne partie des sanctuaires. Enfin. Voilà, il y a un petit pourcentage de des sanctuaires qu'on aura pas fait. Ça au pire, c'est pas très grave. On se sera fait un build plus que correct, pour arriver à la fin du jeu. Et c'est déjà pas mal. Ah oui, les autruches démoniaques, c'est vrai. Non mais ça devrait aller. Je vais essayer de faire le maximum dans cet épisode. Ah, si on termine le jeu, et en vrai là, avec le rythme qu'on a, hein, je m'étais dit que peut-être que ouais, d'ici fin de semaine on l'aurait terminé le jeu, mais en fait, beaucoup moins que ça.
D'accord. Non mais c'est relou. Oh là là, c'est relou. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il veut pas. Il veut pas aller sur le côté, je comprends pas. Non mais sinon, il y a plus simple. Hein. Voilà. Wally Walou. Y'a pas moyen. Non. Ça aurait été très con quand même. Oula. Merde. Pas de panique. Merde. C'est con ça. Non, c'est très con ça. Au secours. Bon bah rip. Oui. Non mais non mais oh là là mais. Un gaspillage de flèches. L'indispensable game log hein, toujours. Allez, pas d'effort. Merci. Ah bon bah ok. Non mais... Merci. Ouais bon hein. C'est pas bien plus dur que les montres dingo qu'on avait à l'époque avec Picsou Magazine. Où fallait mettre la... la petite bouboule dans les trous. Voilà. Que de souvenirs hein, Picsou Magazine. Il y avait Mickey Magazine aussi. Alors moi je suis un peu jeune pour ça. Enfin, je suis un peu jeune. J'aurais pu avoir des Mickey Magazine, mais... J'ai eu des Picsou Magazine, je m'en rappelle. Mais des Mickey Magazine, je sens que je suis... C'est peut-être la génération au-dessus de moi qui avait... qui était déjà un peu plus axée là-dedans. Bon, où va-t-on? Le mont Ramol, très bien. Eh ben, on va tout droit vers ce sanctuaire, je dirais. Et ça, il me semble que c'est un lac, bah, justement, avec souvenir à la clé. Donc, let's go. On va même avoir le droit à un petit souvenir dans cet épisode, c'est incroyable. Hein ? C'est pas un marteau ? Ah non, oui, mais non, mais attends, mais on part, mais en fait, le relais. Le relais, bordel. On a complètement zappé. C'est pas. Y'aurait pas un boss là-haut?
Ah oui, en fait, le canasson. Il est toujours là-bas. Mon canasson est perdu à jamais. Je suis un voyageur. Moi, je suis balèze. L'épée légendaire. Quelque part aux alentours de la montagne de la mort. Non mais attends, c'est sérieux là? Tu me parles de ce relais là? Oui non mais l'épée légendaire. Ouais ok, en gros il me donne une info. Ah après peut-être que c'est non. Ça semble pas hein. Montagne de la mort. Bon, il me semble pas qu'il y ait une autre épée légendaire. Je vois si je peux d'ici appeler ma monture. Oui. Ah d'accord, il se monte que la nuit. Bonne info ça. Y'a pas de quête? Non, y'a pas de quête. Bah c'est bien. Ah si, y'a une quête. Je suis pas louche. Une fleur à Armand. Bah si tu veux. Je voyage. J'adore les insectes. Elle est où? Elle est là. Quoi de neuf? Dis-moi. Elle déteste les libellules. Les libellules? Le Metal Gear? C'est ça? Faut que j'attrape des libellules? Mais j'en ai des libellules. Alors, je sais pas si j'ai une libellule Volt, par contre. J'ai pas. Merde. J'ai pas toutes les libellules. Eh ouais, j'ai pas de libellule Volt. Bon, c'est pas grave. Au pire. Emmener un cheval. Oui. Ah, on peut. Yes. Oh. Hi. Non mais j'aimerais bien, parce qu'il est à l'autre bout de la map. Mais wow, c'est bon, on va le faire venir, t'inquiète. Bah écoute, Neige, tu vas rester ici. Voilà. Bon bah rip la quête, hein. Et on va activer notre quête. L'autre scientifique. Qui se trouve là. Ouais, bah vers là où on va. C'est très bien. C'est parfait. Oh, rip, je suis deg. Qu'est-ce qu'il a, ce poulet des enfers là? Dommage. Bon, au moins je sais que mon cheval n'est pas perdu. C'est une très bonne nouvelle. Surtout que le cheval, on en a besoin pour la fin du jeu, il me semble. Hein. Je dis pas de conneries. C'est une phase d'ailleurs très passionnante. Mais je n'en dis pas plus.
Serait-ce un gardien avec toutes ses pattes? Ouais bon, bah tu vas te calmer hein. J'ai pas le temps pour toi hein. Oh, un korogu. Bon, tu veux vraiment te battre? C'est ça que tu veux? Très bien. T'es chaud toi hein? T'as pas d'américain non? Très bien. Vas-y, donne-moi ton loot là. Sabre tranchevent à 40 hein. Il m'a rien donné d'autre? Super. Non mais oui. Et la marmotte aussi non, non. Pause, korogu. Allez salut. Amène-toi, je t'attends. Ouais, non mais flemme. Elle va s'en sortir, vous inquiétez pas. J'ai confiance. Oh, tiens, des ailes de feu. J'ai besoin d'ailes de feu. Allez. Merci. Non mais voilà, de toute façon, là on s'est bien saucé, on s'est bien hypé en début de let's play par rapport aux upgrades tout ça, mais il y a tellement plein de stuff que j'ai même pas encore. Franchement, si je devais tout améliorer, là faudrait rajouter facilement 30 heures de let's play. Je vois pas trop l'intérêt. Un boss là. Hey korogu, aide-moi. Bon, vraiment pour la forme je le fais. Mais envole-toi. Attends, mais on l'a pas fait ça déjà? Mais on l'a totalement déjà fait. Et il fait un détour, l'innocent. Ouais, tout droit. Ah bah tiens, voilà ce qu'on va faire. Dommage. Non, 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 non. Je confirme que non. Eh ouais, je le fais jamais. Mais d'ailleurs, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'épreuves par rapport à ça dans le jeu. Enfin, quand je dis des preuves, des quêtes quoi, des vraies quêtes. Attendez, on va tester un truc. Ça va être un fail absolu. J'abandonne. Fin du projet.
Oh bien. Ah si là, si là c'est prêt ça va. Bam. Ah oui. Ça se fait oui. Bon c'est toujours les mêmes saloperies hein mais Alors quel intérêt de cet endroit là? Mis à part des gemmes. Bah je vais les défoncer hein. C'est satisfaisant. C'est répétitif mais satisfaisant. C'est comme Stardew Valley hein. Tous les jours c'est la même galère mais Mais il y a un côté satisfaisant. Bonjour. Tu fais quelque chose ou pas? Allô? Allez. Je m'en doutais. Je m'en doutais parce qu'il est un peu trop près vu qu'il se balance, il change sa distance. Ouais, balance, balance, balance-toi. Hein. Tony Parker, hein, si tu nous regardes. Je vois pas l'intérêt de cet endroit. Peut-être une quête. Peut-être une quête cachée. Ou alors non, c'est juste un moyen de farmer des idiots. C'est bizarre quand même. Non ? Mais il s'en fout, très bien. Eh bien salut à toi. Ah si quand même. Allez, paf. Voilà qui est fait. Pas trop trop l'intérêt, mais ok. On les a eus. Ah, il gardait une grosse truffe max. Voilà, j'ai découvert le secret. Attends, il y a un passage là. Dis donc. Il y a un passage ici. Ah mais il gardait l'entrée de la fontaine. Bah voilà l'intérêt. Il y a bel et bien un souvenir. Incroyable. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi, je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. Seulement, j'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre et implorer la terre foulée par les anciens dieux
Le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pardon. Ça semblait vraiment... Ça semblait fait pour cette intégration. Bon, alors je sais pas si elle me débloque un sanctuaire, je pense pas. Ah si, remarque, il y a une porte derrière. Ah, peut-être me demander une écaille. Ah, et est-ce que j'ai cette écaille? Ou alors c'est juste parce que j'ai défoncé les sbires. Atteindre cette source. Une écaille d'Ordrak. Est-ce que j'ai une écaille d'Ordrak? C'est en train de me faire flipper ces conneries. Oui, j'en ai 3. Tiens, je te l'offre. En fait, chaque fontaine, comme ça, ok, il y a toujours une écaille à donner. Je m'en rappelais plus. Eh bien, c'est cadeau. Merci. On a combien d'emblèmes, d'ailleurs? On en a pas 3? Parce que là, du coup, ça nous fait le 4e. Upgrade de vie. GG. GG time. Oh, mais quel épisode! On est trop fort. C'est grâce à vous, ça. Hein. Non, c'est faux. Et je n'ai que 2 emblèmes. Ah, dommage. Ah! D'accord. Ouais, bah vas-y, on va s'habiller hein, pour l'occasion. Ce bandana hein, qui est le couvre-chef officiel de ce let's play. Allez. C'est chiant. Oh, il prend un peu quand même. Ah, tu vas bouffer, hein. Paf. Bon, c'est pas grave. Oh là là, mais quel génie! Quel génie du combat! Bon, et le cimetière des 7 joyaux là? Hop! 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 Oh là, c'est millimétré! Non mais vraiment! Bon bah, rip hein, l'arme de. Durbossa. Mais j'ai des armes trop cheatées, c'est n'importe quoi. On y croit. Trop craqué. Juste beaucoup trop craqué. Ah, c'est dommage qu'on ait pas un 4e emblème. T'as l'arme d'Urbosa. Oui, cette arme ultra précieuse, garde-la. Ouais. Eh bien, je ne l'ai plus. Hélas. Après, ça se trouve, et là, c'est peut-être là le guac suprême,
c'est que j'en avais besoin pour valider genre un sanctuaire spécial, genre de endgame. Et là, je suis comme un con. Ou alors, peut-être qu'il y avait un pouvoir spécial qui s'éveillait face à Ganon. Oui, parce que sur ma première run, en fait, pareil, je les avais pété les armes parce que, voilà. Ça m'avait saoulé. Putain, mais je perds mes cheveux, c'est incroyable. En plus, celui-là, c'est un cheveu blanc. Terrible. Bon, et eh ben c'est bien. Ah non, 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 ça va. Tellement de stuff. Bon, il y a un petit style, hein, un petit Link, là, avec son bandana. C'est dommage qu'on puisse pas désactiver la vue de la coiffe. Bon, et bah direction sanctuaire et le fameux laboratoire. Alors, j'espère qu'il va pas me demander des trucs à l'infini. Si on pouvait avancer, ce serait bien. J'ai hâte d'aller au bout de ce let's play. Ah, bah voilà. Alors j'ai fait une vidéo aujourd'hui pour expliquer aux gens qui me suivent en stream, sur YouTube, tout ça, tout ça. Le pourquoi du comment mon absence, etc. Et j'ai expliqué un peu les horaires vis-à-vis de ma femme. Et donc, là, eh ben, l'exemple d'aujourd'hui, c'est que, bon, elle me dit, bon, je vais finir à 5h30. Et puis là, elle m'envoie un message, bon, je pense que je vais en avoir jusqu'à au moins 18h. Voilà, voilà. Ouh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il pleut. Super, merci. Merci à toi. Pour utiliser un arc, il faut des flèches. C'est littéralement ça que tu viens de me dire. Hein. Mais merci. Non mais c'est vrai. C'est vrai que pour utiliser un arc, il faut des flèches. C'est pas faux, Micheline. Est-ce que vous pensez que ça, on peut les faire à cheval? Ce serait fort. Ah non, ce serait nul. Ça serait plus prise de tête qu'autre chose. Mais qui a des korogus spécifiques qui donnent des quêtes à côté des relais par exemple? Des épreuves à canasson pour des noix de korogus. Eh ben tiens, quand on parle de relais, il y en a un qui pointe le bout de son nez. Bon. Tu vends pas des trucs qui m'intéressent toi? Je veux acheter. Ah, les papillons ignifus, ça m'intéresse. Oui. Vas-y, fais péter tes flèches. Oui. Waouh. Très enthousiaste, hein. La brioche d'Akala Est. Putain, mais j'ai envie de manger une brioche maintenant, j'en veux une. D'accord. C'est le plan cul. Hein. Il va me dépouiller. Hein? Genre? You. Ça c'est sûr. Ah.
connais pas. D'accord. Bon, on a une quête où il faut savoir qui est Kilton. Qu'on va peut-être voir à la fin de cet épisode. Qui es-tu ? Il y a quoi plus loin ? Mais attends, mais non, mais ça se trouve, parle-moi du coin et elle me donne une info sur un sanctuaire, mais quel gros con. Parle-moi du coin. Bon, ben non. C'était pour l'info de la fontaine. Que... hein ? À la source de la force ? Quoi ? Ah non, mais j'ai fait. Voilà, mission accomplie. Ah oui, non, mais c'était le... Oui, le sanctuaire de la fontaine. Très bien. Ah... Hein ? C'est tout ? Faut doser là. Oh là là ! Quel maître du pote ! Oh, c'est long par contre. Hein ? Quoi ? Parce que j'ai quitté ? Non. Parce que j'ai quitté. Non, c'est nul. Allez. Putain, et je le fais first try ? Non, c'est bon. C'est long. Mais attends, mais je vois qu'il y en a derrière là-bas. Non. Il y en a derrière. Comment on fait pour y aller? Je veux les faire. Passer derrière ? Yes. Ouais, non, parce que... Ouh ! Je trouvais ça bien nul. Ah oui. Super. C'est vraiment très pratique avec cette manette, hein. C'est du génie. Complètement piffé. Je gigote la manette dans tous les sens. Hein ? Mais non, mais... C'est quand même bizarre qu'il m'ait donné sa brioche à 10 balles qui me donne de la stamina. Ou alors je me dis genre ouais c'est trop bien, je retourne le voir, c'est le bon plan et un jour il me dépouille, c'est ça ? Est-ce que le jeu aurait poussé le vice à ce point? Je suis pas sûr. T'en fous. Vite, barre-toi. Au secours, ça y est, j'entends des bruits.
C'était peut-être en bas. Eh bien, ça, c'est fait. Alors, il faudrait que je prenne une photo de Kilton et que je vienne donner l'info aux gardes. Est-ce qu'on va y penser ? Je suis pas sûr. Allez, direction le laboratoire. Mais attends, mais c'est peut-être lui, du coup, qui me donnait la quête à la con avec la torche. Parce que je vois des loupiottes allumées, là. Oh là là. Ah bah, si c'est ça, je vous le dis, Kilton, on le voit pas à la fin de cet épisode. Hein. Hop là, hein, petit lézard. Ah, est-ce que je vois des loupiottes, là? Bordel. Oh, me dis pas que c'est ça. C'est quoi ça? Non mais si, c'est ça en plus. C'est totalement ça en plus. Il va me demander d'aller je sais plus où avec sa torche de merde. Hein? Bonjour? Eh bien, ça, c'est fait. Mais oui, il y a des loupiottes allumées de partout. Ah, c'est l'enfer. Et il faut que je le fasse si je veux avoir accès à son shop. Ben oui, évidemment. Évidemment. Bonjour. Oui. Faut que je me foute à poil, vraiment? Oui. Ouah, rajeuni. Bien sûr. Dis-moi tout. D'accord. Donc il me faut une torche. Eh ben c'est bien. Il me faut une torche. Où est-elle ? Mais c'est le bordel ici. Non mais le problème, c'est que je ne sais pas où se trouve cette torche. Bon, peut-être qu'il y en aura une à côté. Bon ben ça va être la même connerie que ce que j'ai fait à Elimite. En plus il y a un sanctuaire là-bas. Oh là là. Mais il y aura des sbires de partout et ça va être la folie. Et l'idée finalement c'est de faire des sortes de checkpoints.
Sauf que j'ai pas de, de torche en fait. Mais je n'ai pas de torche, les gars. Y a pas une, un moyen de shortcut la quête en mode on prend un arc avec une flamme bleue? Ce serait incroyable. Non, je pense pas. Hein. Ou alors faudrait genre faire un golfing de l'espace. Aucun de vous n'a une torche. Hein. Peut-être que dans le camp, ils ont une torche. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il... Ah oui, le labyrinthe. Oh, j'avais oublié. Bon, bah, laissez tomber, on n'aura pas le temps de tout faire dans cet épisode. Hein. Hein? D'accord, ça s'est éteint. Ma vie est nulle. Bah sinon tant pis, je vais gaspiller des flèches. Hein, hein. Ah oui. J'aurai jamais le temps. Bordel. Et pile quand je tire la flèche. Non mais sinon je pourrais juste avancer. Hein. Oh putain, pile. Oh. Pile à ce moment-là, je déteste ma vie. Eh ben heureusement que j'ai acheté des flèches hein. Ah oui. Sauf que son arme va se détruire à force. J'ai pas une arme pourrie que je peux jeter. Genre ça. Allez, très bien. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir mais on va faire avec hein. Et bah c'est parti pour l'emmerdement. Oh. Je vis bien. Oh mais cette quête des enfers. J'avais tellement pas hâte de la faire. Bon, et ben on va défoncer ces idiots avant. Hein. Je peux y aller qu'il n'y en a aucun qui me donnerait une torche. Mille ans plus tard. Merci. Yo.
Bon allez, salut. Ah, mais le problème c'est qu'à un moment donné ça va péter quoi. Et si j'essaie de faire ça avec genre une branche d'arbre, bah la branche d'arbre elle va cramer en... Allez, en 30 secondes même pas. Une torche serait tellement plus pratique. Oh, il faut que j'aille là-haut. Bon, j'avance, hein. Oh là là, oui, il faut que je fasse le tour du lac et tout. Oh là là. Voilà. Ça, c'était évident. Donc toi, donne-moi ton arme. Ah non, mais je veux ton arme. Lève-toi. Bon, super. Ouais, il y a des gemmes là-bas, mais on s'en fout. Allez, j'ai la lumière des Jeux Olympiques. La flamme des Jeux Olympiques. Foutez-moi la paix. Non. Ouh. Ça va, heureusement que j'ai mon stuff amélioré, hein. Ah, sinon il y a un monde où j'arrive à la balancer par-dessus. Je l'ai pas lancé trop loin là. Si, totalement. Bon, alors toi. Allez, va chercher. Alors, on va utiliser la flèche, parce que je pense que c'est l'idée finalement. Hein? C'est de ma gueule là? Non mais... Mais... Oh, cette quête. Cette quête. Merci. Allez. Et me faites pas le coup de la lune de sang là. Hein. Quel enfer. Ouais, si on pouvait faire le tour en fait. J'ai peut-être gaspillé quelques flèches pour rien. Mais c'est pas très grave. Bonjour.
Ah oui, parce qu'en plus, ils me font le coup de la lune de sang. J'ai le gardien qui ripop et MDR. Par contre, il ne s'en lassera jamais, visiblement. Merci à lui. Qu'il y a un moment donné, l'arme, elle va péter. Ben voilà. Et ben voilà. Alors qu'il y en avait... J'avais une lanterne juste ici. Je déteste ma vie. Je suis de retour. Ah mais d'accord. Pas du tout relou hein. Hop. Oui mais là je ne sais pas où aller. Avec ma batte. Là. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps? Et là, elle se pète juste devant. Yes. Est-ce que c'est possible d'avoir une branche d'arbre? S'il vous plaît. Un gland, super. Non, je suis très admiratif, hein. Ben c'est bien. Non ben sinon j'essaie de sniper à la flèche hein. Mais je vais gaspiller beaucoup de flèches. Hélas. Je crois que c'est mon destin. Alors peut-être qu'il y avait bel et bien une torche juste devant et que je ne l'ai jamais vue. Eh bien non. Bon. Alors on a la loupiote là. Pff, moi je dis c'est faisable, mais avec une branche ce serait quand même plus confort. Eh bien ça m'a saoulé. Merci. Quel skill, hein. Ah là là. Non, c'est moi. Des rubis. Ah, mais des sous, j'en ai pas beaucoup.
Ah oui, c'est cher quand même. Ouais, et j'ai absolument pas les sous pour ça. Mais voilà, sachez que c'est possible. Bon, j'ai largement les ressources, hein, sans problème. Mais j'ai pas les sous. Donc peut-être que je reviendrai. Mais pour l'instant, non. Allez, salut. Bon, et ben ça, c'est fait. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le sanctuaire que j'ai vu au loin. Qui se trouve tout là-bas. Ah, mais d'accord, c'est le sanctuaire qui se trouve... Non, et ben vous savez quoi? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et la prochaine fois nous ferons le labyrinthe. Nous reviendrons ici par le pouvoir de la téléportation pour pouvoir... Ferme-la toi. Pour pouvoir bah, aller vers le sanctuaire qu'on a vu là-bas. Voilà, et qu'on a pingé. Vous n'êtes pas du tout relou, les chiens là. On va faire ça. Voilà, bon, bah, finalement, je pensais avoir le temps de tout faire, mais absolument pas. Ce qui était somme toute évident, mais c'est pas grave. Donc la prochaine fois ça va un peu swinguer et donc on essaiera, bah, le labyrinthe ça c'est sûr on le fait, mais je vais essayer quand même de, eh bien d'aller à l'étang du crâne pour faire le sanctuaire et d'aller voir le fameux, je ne sais même plus comment il s'appelle, Kilton. Allez ici, histoire de voir ce qui s'y trouve, peut-être un sanctuaire ou des korogus, je ne sais quoi. Et eh bien avant d'aller chez les gorons, j'ai presque envie de vous dire qu'on ira faire cette forêt. Mystique. Comme ça, ce sera fait. Et on aura grosso merdo tout fait, mis à part ce qui se trouve chez les gorons. Alors, bon, là, au nombre de sanctuaires que j'ai fait, j'en ai loupé un petit paquet. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà. Donc, bref. Des bisous, YouTube. Et à très bientôt.